Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ciné Ciné pour une nouvelle vidéo critique. Il est question aujourd'hui du Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, réalisé par Felix Herngren. Il s'agit d'un film suédois adapté du roman éponyme à succès sorti en 2009 qui est donc devenu un best-seller mondial puisqu'il a été traduit dans plus de 35 langues et vendu à 6 millions d'exemplaires. Ce film est produit et distribué par Studio Canal pour un budget de 63 millions de couronnes suédoises, ce qui fait à peu près 6 millions d'euros. Au niveau de la direction artistique, et là je vais avoir besoin de regarder l'écran d'ordinateur parce que c'est super compliqué de retenir des noms suédois, surtout que la majorité de ces acteurs ne sont pas vraiment connus du grand public. Nous avons Robert Gustafsson qui incarne le personnage principal de Alan, Iwa Wicklander, David Wiberg, Mia Skaringer, Jens Hulton, Ralph Carlson et beaucoup d'autres personnes avec des noms à consonance suédoise qui sont définitivement difficiles à retenir, mais qui à peu près vont dans le même sens au niveau de l'écriture. Donc ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte l'histoire de Alan Carlson, qui est un vieillard qui fête son 100e anniversaire, donc qui va devenir un centenaire, qui vit dans une maison de retraite suite à un incident qu'il a provoqué lui-même, puisqu'il a donc il a un goût très prononcé pour les objets explosifs, les pétards, les bombes, les dynamites depuis sa toute tendre enfance. Et donc il y a un incident lié à l'utilisation d'une bombe lié à une utilisation de la bombe qu'il a faite, et donc il a été mis dans une maison de retraite, et pour sa centième anniversaire, il décide de fuguer, tout simplement, suivant son instinct, et il va partir vers l'inconnu, et sur son chemin, il va se retrouver face à un membre d'un gang qui s'appelle les Never Again, qui va accidentellement et sans le vouloir lui confier une valise contenant la bagatelle de 50 millions de couronnes suédoises. Il va donc partir avec cette valise, ne sachant pas ce qu'il y a à l'intérieur, et sur sa route, il va faire des rencontres, des personnages qui seront au courant de cette somme et qui vont l'accompagner vers l'épanouissement. Et à ce moment-là, il y aura ce fameux gang des Never Again qui vont tout faire pour récupérer cette mallette contenant cette somme astronomique d'argent. Et le film met en scène ce personnage-là dans le présent et également dans le passé, puisque le film est tourné. Enfin, le film contient des ellipses narratives qui permettent de situer le passé de Alan et de retracer son parcours, ses 100 années d'existence, de sa naissance jusqu'à la case maison de retraite. Donc voilà le synopsis que je vous propose pour ce film, qui est pour moi une réussite. C'est vraiment très drôle. Donc c'est adapté d'un best-seller. Il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui ont lu le livre. Moi, par contre, je ne l'ai pas lu. Le seul livre suédois que j'ai lu à ce jour, c'était Millennium. J'ai lu les deux premiers. Je n'ai pas encore lu le troisième. Je n'attendais pas forcément ce film, vu que je n'avais pas lu le livre. Mais l'affiche, directement, me rappelait cette affiche que je voyais partout à la FNAC. Hein, c'est best-seller, encore une fois. C'est un livre qui a été vendu vraiment à beaucoup d'exemplaires. Et il y a juste les bandes-annonces où j'étais un petit peu... Les bandes-annonces ne m'ont pas fait... m'ont fait esquisser un léger sourire, mais je n'ai pas trouvé ça forcément très drôle, les bandes-annonces du film. Donc on voyait ce vieillard qui explosait des bombes lorsqu'il était jeune, il rencontrait personne. Pour moi, c'était assez absurde. Et c'est vrai que vu que c'était dans une langue suédoise ici, donc ce n'est pas l'anglais, l'anglais que je comprends un peu, c'est un peu difficile, les dialogues ne passent pas forcément. En tout cas, là, je vous parle de la bande-annonce. Le film, lorsque je l'ai vu, j'étais épaté. Vraiment, c'est un film qui est pour moi très drôle. C'est typiquement l'humour que je recherche dans les films. C'est vraiment le type d'humour que j'adore. À savoir, c'est une histoire absurde. Vous lisez vraiment le résumé, vous vous dites, mais dans quoi on va embarquer ? Donc c'est un road trip. Ce personnage qui va faire plusieurs rencontres. Donc il y aura des mauvaises comme des bonnes, la plupart ce sera des bonnes. Donc il y aura d'abord le personnage de Johnson qui est également un vieillard, un peu moins vieux que lui par contre, qui habite qui tient un hôtel, et il va le recueillir pour un court instant, et il va découvrir l'existence de cette somme d'argent. Il va accompagner Alan en toute sincérité, en toute honnêteté, vers sa quête, vers l'inconnu, et vers l'épanouissement, comme je vous l'ai dit, pour ses 100 ans.
Donc le film est aussi intéressant parce qu'il propose, enfin le fait d'alterner les ellipses et le présent. Et les ellipses sont aussi intéressantes parce que ça m'avait rappelé un film que j'avais, qui m'a marqué vraiment dans mon enfance et même maintenant lorsque je le revois, parce que c'est un des grands classiques pour moi. C'est le film de Robert Zemeckis, Forrest Gump, avec Tom Hanks. Parce que dans Forrest Gump, c'est aussi un film qui se base sur des ellipses. Mais par contre, dans Forrest Gump, la différence avec le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est que tout le film, tout le film retrace le passé de Forrest. Son passé est principalement constitué de rencontres avec des personnalités politiques, la plupart du temps, qui ont été décisives dans l'histoire, soit des États-Unis, soit d'autres pays, et principalement des États-Unis, donc Bill Clinton et beaucoup d'autres. Et justement, dans Forrest Gump, sa particularité, c'est que c'était quelqu'un qui... Donc c'est un personnage qui est très... c'est même pas de l'optimisme, c'est plus de l'ignorance, c'est-à-dire il est ignorant face aux problèmes de la vie quotidienne, il avance tête baissée vers n'importe quel obstacle, il ne calcule rien et il court aussi, il adore courir, donc ça c'est le Forrest Gump. Ici, dans Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est depuis le tout jeune âge, il adore les explosifs, faire exploser, il part des pétards jusqu'à des dynamites, et dans le film, au bout d'un moment, il va devenir quelqu'un de très influent, puisque ce film, donc il a vécu 100 ans de vie, et durant ces 100 ans, il a vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et dans le film, et du coup le livre, le roman, son habilité à construire des bombes et sa soif de connaissances en termes d'explosifs vont faire qu'il va rencontrer des personnes décisives pour lui, puisque c'est des personnes qui vont le faire grimper dans la hiérarchie des compétences. C'est-à-dire qu'au début, il va travailler pour la construction d'une tour à New York, et juste après, on va lui proposer de construire la bombe atomique qui va faire la guerre à l'URSS. Donc voilà, ensuite il va rencontrer des dictateurs, il va rencontrer Franco, Staline, il va rencontrer, dans le roman, il rencontre Churchill, Ronald Reagan, des dirigeants chinois, enfin voilà, c'est au bout d'un moment c'est un personnage clé, ce qu'il a de commun avec le personnage de Forrest, c'est que c'est quelqu'un ici, là par contre c'est vraiment optimiste, c'est-à-dire que lui il a vraiment toute sa tête lorsqu'il est jeune, même si on va le mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc il a toute sa tête, mais contrairement à Forrest, donc Forrest, lui, qui est un handicapé physique et handicapé physique à la base, il avait des problèmes avec ses pieds lorsqu'il était petit, et puis après, de toute façon, il avait vraiment un problème mental. Ici, lui, il n'en a pas. C'est juste que c'est quelqu'un qui avait pas de chance dans la vie, mais qui a toujours affronté les choses frontalement. Il n'y a jamais eu vraiment de... Enfin, le mec, voilà, quoi, il aime les explosifs, il fait exploser, excusez-moi, j'ai du mal à articuler, il fait exploser des bâtiments sans faire exprès des personnes. Et donc, voilà comment ça se passe. Hein. C'est une quête initiatique qui est vraiment drôle. Vous voyez, les personnages secondaires ont aussi leur importance. Ça peut être des humains comme ça peut être des animaux. Donc, vous voyez vraiment l'absurdité de la chose. Et aussi, je trouve que ce qui est intéressant, et là, pour le coup, c'est... peut-être le seul bémol que l'on pourrait soulever du film, c'est le gang des Never Again, qui pour le coup, apparemment dans le roman, ce gang a une place vraiment importante dans le récit. Ici, dans le film, c'est un peu c'est l'élément perturbateur, mais qui est mis totalement au second plan, parce qu'il perd de sa crédibilité tout au long du film, au profit justement de ce personnage principal qui commence à être de plus en plus important dans la narration. C'est-à-dire que les Never Again, qui sont censés être les antagonistes, sont totalement... Enfin, n'ont aucune crédibilité en termes de méchants dans l'histoire. Ils crèvent un à un, les mecs, et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de... Ça donne des moments drôles, mais c'est vrai que si le film voulait avoir un côté un peu... film haletant avec un petit suspense, c'est un peu dommage parce que du coup tout est gagné d'avance pour ce vieillard. Après, je ne sais pas si c'est exactement la même chose dans le roman, mais bon, après, si c'est l'objectif de dépeindre ce personnage qui a tout sur tout, enfin qui réussit tout ce qu'il entreprend, on pourrait dire que c'est assez réussi. Donc voilà pour le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. On rencontre donc, c'est un film qui est très drôle,
bon public, vraiment, on en aura pour tous les goûts. Il y a quelques passages qui sont un peu sanglants, mais c'est tellement drôle que ça choque même plus. Il y a des bonnes répliques, c'est très drôle. Dès les premières minutes, vous pouvez avoir un fou rire, vraiment. C'est édifiant à quel point ce film m'a fait rire. Et puis, niveau réalisation, il y a de bonnes idées. Donc voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus sur ce... J'ai essayé de donner de... Voilà, le caractère d'Alan le rend très attachant. C'est bien mis en scène, la réalisation est plutôt soignée. Il y a la comique de situation qui est vraiment... qui est tout à son honneur dans ce long métrage. Et puis... voilà, j'ai tout dit. C'était Michael Raman pour Ciné Ciné. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur ce film. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo critique.